Moi, je ne le vois pas comme ça et je pense que beaucoup de personnes ici le voient d'abord comme une formidable consécration pour Martin Fourcade, numéro 1 du biathlon mondial depuis les Jeux de Vancouver, titré aujourd'hui sur la poursuite olympique. Voilà, bon, c'est la reconnaissance olympique d'un formidable champion qui en plus a fait preuve d'une maîtrise absolument exceptionnelle, tant au tir que sur le ski de fond. Voilà, en plus, il y a une troisième place pour Jean-Guillaume Béatrix. Voilà, donc c'est un vrai bonheur. Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de modèle français, même si les résultats du biathlon français sont absolument exceptionnels depuis des années. Mais il y a surtout un champion d'exception, parce que Martin Fourcade domine la discipline. On avait peur que Svenden soit un adversaire redoutable. Bon, on a vu aujourd'hui quelle est la différence lorsqu'on part 14 secondes derrière et 30 secondes derrière. Donc, bon, moi, je les ai vus après. J'ai vu Martin après, qui était rayonnant. Bon, il exprime tout le bonheur du monde. Mais c'est normal, c'est d'abord un soulagement pour lui, je crois. Bon, parce qu'effectivement, il voulait être champion olympique. Il l'est. J'espère qu'il le sera plusieurs fois.